Alors je vous avouerai aussi que oui, il y a beaucoup d'affectifs aussi. Hein. Ça c'est primordial. La volonté aussi de retrouver mes racines, puisque j'ai beaucoup travaillé, donc je suis venu très peu en Algérie. Retrouver la région où mes parents ont vécu, à Béjaïa. Et puis aussi redécouvrir un petit peu l'Algérie nouvelle, puisque pour moi elle est nouvelle, puisque j'ai pas passé beaucoup de temps, donc ça va me permettre de me ressourcer et d'avoir les pieds bien sur terre. L'objectif, c'est que on travaille sur d'abord les équipes nationales féminines, équipe senior, U20 et U17, et puis voir sur les catégories 14 U15, et puis le développement du football féminin en général en Algérie. Normalement, il y avait, je ne vous dise pas de bêtises, il y aurait dû avoir les Jeux Olympiques, donc on attend certainement une réponse officielle pour savoir si on a toujours une possibilité d'inscription sur ces Jeux Olympiques, sur les qualifications 2024, Paris 2024. Donc j'attends un retour, mais si on voit sur le moyen terme, ce sera certainement les qualifications pour la CAN, qui ne sera pas qualificative, je crois, pour la Coupe du Monde pour l'instant. C'est la deuxième CAN qui sera la plus importante. Voilà. Celle qualificative pour la Coupe du Monde. Donc on va essayer de gagner. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. Hein.